Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlefleet Gothic Armada 2 avec Katox. Salut Katox. Salut. Et donc, comme promis depuis fort longtemps, c'est maintenant, c'est tout de suite, on va aller défoncer le chaos. Voilà la nébuleuse de Savagar. On est dessus, je clique sur le bouton, attention, c'est parti. Je fais un petit appel au combat. Et on va affronter carrément le maître de guerre du chaos, Abaddon, le fléau. Ah bah il va mourir. Alors on va regarder un peu le déploiement parce que j'ai vu qu'on avait des vaisseaux qui n'étaient pas forcément en pleine forme, donc autant en prendre qu'ils sont en pleine forme. Alors on a deux vaisseaux amiraux où il faudra régénérer les troupes dès le début du combat. On a deux bouffeurs, ouais, ça me paraît plutôt équilibré. Et c'est parti, ils rassemblent leurs forces pour affronter le grand dévoreur dans une bataille ultime. Tan, tan, tan. Comme c'est beau. Merci d'être encore aussi nombreux à suivre cette série d'ailleurs, ça fait plaisir. Je crois que la série vous plaît bien, même si elle est assez longue. Hein. Je sais que la voix de Katox n'est pas pour rien. Suave et sensuel. Now is the hour in which we prove ourselves worthy of victory. I claim the harvest of flesh. Who can predict what glories we shall brew from such morsels? The battle must first be won. Does the blood god's cur fear defeat? Ça se passe tôt. C'est clair. Ça reste le chaos, hein. Mais en tout cas, les vaisseaux que j'ai vus avaient plutôt la classe, première vue. Ouais, ils sont à la même classe quand ils seront réduits en charpie. Ça commence mal, je me suis planté, je t'ai filé un mauvais vaisseau. Voilà, la semelle est pour moi. Ça, c'est un dévoreur, c'est à toi. C'est un dévoreur, c'est à toi. Et au niveau des vaisseaux. Ah, bah, on a la pourriture 627, bien sûr. Et moi, je vais prendre la grosse chaussure. C'est vraiment drôle parce que t'as vraiment tous les astéroïdes de chaque dieu en fait. Ouais, ouais, ils sont vraiment tous là, là. Hein. Ils sont bien, bien. Dans la mouise, on va dire. Ah, puis on a. Bon. Alors, ça, c'est quoi? C'est Slaanesh, ça? T'as ce. T'as Nurgle, qui sont reconnaissables, Khorn. Et puis t'as. Slaanesh. Slaanesh ou Tsinch. Je pense que Tsinch, c'est vraiment. C'est ceux tout déformés avec les visages, tu sais, un peu tremblants de chaleur là. Et Slaanesh, c'est pas tous ceux cornus. Ouais, Slaanesh, je pense que c'est celui qui est cornu, ouais. Et Khorn, c'est celui avec les espèces. Enfin, celui qui est très en hauteur, hein, tu penses? Non, c'est celui avec les crânes. Les crânes et la lave. Ah oui, oui, effectivement. Les crânes pour le trône. Ah, je pensais que c'était celui-là que tu disais, ça me semblait bizarre aussi. Non, Tsinch c'est. Finalement, je me demande si Tsinch c'est pas celui cornu et Slaanesh celui tout tremblotant. Parce que Slaanesh c'est vraiment le dieu des perversions et des. C'est ça qui est tout déformé avec les trucs qui se fusionnent entre eux et tout. Voilà, les trucs où tu sais pas trop si parfois t'as peut-être un visage un peu. En aïe, c'est globalement menaçant, mais d'habitude c'est. Ça mélange entre douleur et plaisir. C'est un peu ça. Ah, et on voit les vaisseaux. En dehors, mais s'ils ont que ça, c'est un peu de la merde, hein. Hey, un beau gros vaisseau. Ouais, il y a un gros vaisseau, quoi, mais enfin, un Nurgle, ils ont quoi, un croiseur? De la merde. Slaanesh, ils ont deux croiseurs légers. Oh, c'est pas possible, il va y avoir des surprises, je pense. Attends, sur le côté, si tu rajoutes tout ça, t'as quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 vaisseaux. Mmh. Ils sont classe ceux qui sont à gauche. J'aime bien. Ouais. Ils ont des belles couleurs. J'arrive pas trop à zoomer dessus. On va voir aussi l'event qui va nous claquer dans les dents. Hein. Ouais, ouais, il va y avoir des trucs. Ouais. Bon, bah, je pense qu'on y va. On est en ligne. On regarde ce qui se passe. Ouais. Ah, ils y vont petit à petit en plus. Bon. Et on commence par Nurgle. Ah non, pas Nurgle. Khorn. Bon, c'est une blague. Oh, le joli petit vaisseau. Un grand croiseur, ok.
Et on les voit directement, il n'y a pas de... Bah écoute, visiblement... Il envoie un destroyer se faire buter. Alors il y a des trucs rouges sur les côtés qui avancent, attention, il y a des trucs rouges au milieu de la map là. Ouais, faut faire attention à ces trucs de sanctuaire de corne où on se prend sanctuaire. Des... Les vaisseaux alliés, ah oui, subiront une action d'abordage, un force... Ah, d'accord, ok. Ah oui, c'est vrai, c'est... ça tourne autour des astéroïdes là. Bah c'est quoi, on va les attendre dans cette zone là, c'est là où il y a le moins. Ouais, ça veut dire que tous les autres astéroïdes doivent probablement avoir des trucs fun du même style du coup. Ah donc faudra faire attention, garder des... T'avais raison, c'était bien Korn du coup. T'as pas de sonde ou quelque chose ? Non, j'ai un boulet de démolition et un rôdeur. Après j'ai des petits... j'ai des flottes éventuellement, mais bon on les voit hein, donc je vois pas trop intérêt. Ouais. Surtout pour les ralentir, pour vraiment... Non bah ouais, un truc de sport ça aurait pu être intéressant mais... Alors attends, tu te mets où du coup ? Je me mets en ligne plus ou moins. Un chouïa à côté, je vais me mettre par là. Ouais. Je vais me décaler un peu histoire de faire des enveloppements plus faciles. T'as un grand croiseur exécutor. En fait on les voit parce qu'ils ont. Ils avancent à pleine vitesse, c'est pour ça. Sinon ils disparaissent. C'est vrai que ça reste corne. Alors, quelle tronche ils ont. Ok, il commence à nous tirer dessus. Ah, il a une bonne tête, hein, faut avouer. Ah, il y a des flottes qui décollent, on dirait. Il y a des... ça. Allez, en avant les gars. C'est fini de glander maintenant. Annihiler leur vaisseau là. Oh, le team est au milieu. Tellement se faire défoncer, c'est pas humain quoi. Bon attends, il nous a enlevé un demi bouclier quoi. C'est quand même la violence. Alors tu te caches petit vaisseau. Bam. Et l'autre il se fait grignoter, tu sais. Y'a pas de problème avec ça. Et un de moins. Voilà. Ah merde, putain, je suis con, je tire mes torpilles sur toi. Et deux de moins. Voilà. Vivant. Ah, j'ai oublié qu'il fallait qu'on lance les trucs pour régénérer les troupes. Ah donc si t'arrives dans la portée d'un mode de nuit de Tsinch, tu vas te faire téléporter ailleurs. Ok, c'est bien cela Tsinch, alors d'accord. Sa neige, tourelle de défense. Ah d'accord, donc si t'es pris dans la zone de Slanesh, t'auras les... Allez, t'auras tes tourelles inutilisables. Du coup ils se lancent tous en même temps. Par contre je vois pas les hôtels de Slanesh. Non. Ils sont pas activés pour l'instant on dirait. Fais gaffe que ça vient d'un peu partout. Ouais, je propose d'aller vers la gauche là. Jéris qui arrive à gauche. Je vais avancer tranquille. Ils nous ont envoyé des petits vaisseaux là, vous avez ici. C'est ce qu'il faut. Ils nous voient de toute façon, hein. On le sait donc. Alors, il nous renvoie un petit destroyer. Lui, on va lui dire priorité 1. Toi, tu seras en priorité 2. Toi, tu seras en priorité 3. Il nous tire dessus à travers les astéroïdes, du coup, ça se passe pas bien. Forcément. Comment ils se font ouvrir, c'est... Allez les gars, on court par là-bas. Pareil là, ça commence à... Ah bah voilà, là on a les... La zone de Slanesh qui commence à se montrer un peu.
Ouais, ça va être tendu, hein. Ça va être tendu de passer. Demi-tour. Toi, tu vas par ici. Toi, tu vas par là. Un vaisseau ennemi qui s'est fait prendre par le sanctuaire. Donc, en fait, ceux qui tournent, c'est ceux qui auront la. Si tu te fais prendre, t'as tes tourelles bloquées. Ouais. Je suis obligé d'avancer là, je sais, je me mets dos, c'est un peu de la merde, mais j'ai pas le choix. Malheureusement, sinon je vais être pris dans cette putain de tourelle. C'est vrai que du coup, ce qui est relou, c'est qu'ils nous empêchent d'avancer. Avec leur saloperie de. Hop hop, je vais me faire choper là. On s'éloigne. J'arrive pas à leur caler d'assaut, merde. Ah putain. Voilà, on va pouvoir leur caler suffisamment de violence. Lui il est en train de se faire défoncer. Tu te replies mec. Hop. J'allais pour en choper un et voilà qu'il est dépouillé. Ah mais y en a un autre par là qui est pas encore mort. Merde. Allez replie-toi vite vite. Oh la loose. Il a pris feu 2 mètres avant la fin quoi. C'est bien triste. Ah. Pourquoi mon vaisseau n'avance plus? Est-ce qu'il a été chopé par le sanctuaire? Ouais, faut croire. Toi tu pouvais pas rentrer en mutinerie un peu avant là? Putain, il a réussi à foutre le feu à mon vaisseau, il a explosé à 2 mètres de la sortie quoi. Je suis tellement déçu. L'émasculator a été détruit, si ça c'est pas la classe. Classe émasculator. Allez, bon, on voit des petits vaisseaux. Voilà. Hop. Ah, tu t'es fait choper. Ok, pourquoi? Donc en fait, eux c'est celui qui désactive le bouclier et tout. Mutinerie, bah en même temps ils se font poursuivre par un vaisseau organique qui fait 3 fois leur taille. Et c'est pas. Lui c'est l'a pas réussi. Si c'est bon, faut. Moi je me recentre vers le milieu. Je par vers le milieu pareil, parce que... j'y revais doucement là. Ouf. Ah ouais, voilà. Ça fait une sacrée zone hein, les ceux-là pour le coup. On demande Nurgle, l'interrogateur. Ok, il faut faire gaffe qu'ils font des liens entre les deux monuments. Ça, et ça fait des dégâts. Son... Okay. Ouais. Ils font une chaîne quoi. C'est ouf. Bon là on va se faire choper, mais c'est pas très grave. Hop, voilà. Je me ressens tranquille vers le. Je me remets vers le milieu. Normalement ça devrait aller. Plus Nurgle ça avance tout doucement. Ça va, on a perdu un croiseur léger. Je pense que. Je ne te le pardonnerai jamais. Bah et en plus ça s'est joué sur une seconde d'incendie, je suis un peu déçu. Si tu veux régénérer tes troupes, c'est le moment d'ailleurs. Déploie des flottes, toi. Ah bon, c'est déjà trop tard, putain, mais défoncé. Ah bah tu vois là, y'a un. Ouais, y a je un... le vois là, le gros truc nurgulesque. Là. Le gros vomi. Rapatrie tes vaisseaux, mon cher. Il te sert à rien pour l'instant. On va rester planqué derrière pour l'instant, tant qu'il n'y a pas le truc. Qui ouais, fais gaffe, qu'il va se déclencher. S'il se déclenche, ouais. tu vas te faire TP, je ne sais d'où. Alors c'est un drôle. Côté drôle, hein, mais.
Franchement, t'es pas drôle. Mais je vous ai demandé de revenir les vaisseaux là, qu'est-ce que vous foutez? Oh, fais attention. Quoi? Ah putain! Il y a des trucs de. Effectivement, je l'ai vu un peu tard. Il y avait du vomi. C'est pas grave. Et surtout qu'en fonction de comment est placé ton écran, tu le vois pas. C'est l'heure de tracer la route. Hop là, voilà. Moi je me TP, mais au moins j'assume. On calait quelques assauts, mais c'est pas grave. Je vais en caler quelques-uns en échange. Bon, par contre, toi t'as pas mal douillé aussi. Ah, j'ai pas défini mes priorités, c'est pour ça que c'est la merde. Oh merde, il m'a touché. Ça commence à faire pas mal de bordel à gérer, faut avouer. Ah, il a endommagé mon arme, le petit sagouin. Lancer un petit assaut et on va se replier avec lui. Bon, 35, je pense qu'il ira pas très loin. Bon, il n'y a pas de renfort qui arrive malgré qu'on a un vaisseau qui s'est barré. Ah mais c'est un croiseur léger donc il y a peut-être... Ouais ça, donc à mon avis le calcul est pas... Par contre tu peux peut-être... replier la semelle. Il est en train la semelle, il se replie. Il va se replier pile sur Abaddon. C'est un peu ça. Ouais. Oh voilà. Con. Exactement ce que j'allais dire. Ah mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Cassas. Cassas. Une vengeful spirit. Croiseur léger, déjà quasiment mort. On va aller faire un peu mal à leur tourelle. On va passer par ici. Hein. Voilà, histoire de dégager un peu l'espace. Allez, il reste plus que lui. Oh le mec il en a deux pour le bouffer quoi. C'est tellement la violence. What? C'est quoi toutes ces merdes là? De quoi? Bah on a eu plein de petites merdes en renfort là. Eh hey, d'où il m'explose lui? Nous avons l'avantage mais mec t'as pas bien regardé la bataille je crois. Eh hey, il m'a tué un grignoteur, je lui en veux. Attends, je vais lui envoyer un petit. Si tu veux bien te tourner, mec. Ah, je peux même pas lui lancer de boulet dessus parce que t'es devant, je crois. Tu veux que je décale? Non, t'inquiète. Regarde, je le repousse en dehors. Ouais, c'est un peu ça, ouais. En train de se disloquer, bah je suis pas en train de se disloquer, je suis en train de la manger. Putain, ils nous ont envoyé des renforts totalement gratuits quoi. Bon, j'ai juste perdu mes deux grignoteurs, je suis un peu déçu. J'ai perdu mes deux grignoteurs, c'est tout. Ah, on aurait peut-être souffert s'ils nous les avaient tous envoyés en même temps, mais bon là quand même. C'est le principe du chaos quoi, s'ils se coordonnent un petit peu, ils peuvent défoncer tout le monde. C'est un peu ça, ouais. Mais quand même, belle bataille, avec les astéroïdes à la con partout là. C'était un peu plus impressionnant que le grand pharaon, on va dire.
Hein, le grand pharaon, c'était lamentable. Ouais, c'est clair. Bon, bah, Delta Léviathan s'est fait défoncer du coup. Ah, oh bah, ma flotte, voilà quoi. La semelle a réussi à se replier, ça va. À ce moment-là, ils sont tous morts, mais il reste encore. The dregs of Abaddon's mighty crusade retreated deeper into warp blasted space. But there was no escaping the Tyranids' rapacity. After 10,000 years, the wars birthed from Horus' madness are ceased. His followers scoured from the stars. It is a day for great celebration, and yet my spirit hangs heavy. For it was not my hand that smote Abaddon's ruin, nor my will that saw his forces scattered and destroyed. The great devourer, the Tyranids, have cheated me of that victory. And it may yet be that the Imperium will join its betrayers in oblivion. Bam! Et on passe niveau 14! On a un point d'amélioration gratuit et la menace chaos passe définitivement à zéro dans tous les secteurs. Boujou Abaddon! Oh, capacité de la flotte de 1000 à 1000, je suis super déçu quoi! Déception sur 20. Ah, déception maximale quoi. Alors, on peut prendre la stridulation mortelle, c'est un peu de la merde. La peau caméléon, c'est un peu de la merde. Je crois que les poches d'absorption, ça reste le mieux. Hein. Ouais, surtout qu'après, tu peux prendre les ruches thoraciques avec une charge supplémentaire, c'est pas dégueulasse quoi. Et hop là, ça c'est fait. On avait deux points, donc comme ça. Une bonne chose à faire. Et le prochain, bah, ce sera le relais synaptique. Hein. Même si c'est pas ouf, c'est quand même plutôt pas mal. Je crois pas que ça déjà. C'est arrivé des masses de fois qu'on a eu des replis, mais bon. Rarement. Vraiment rarement. Bon, bah, on va pouvoir limite recruter une nouvelle flotte et intercepter l'autre con là si on veut. Ouf, pas très utile. Si tu lâches la flotte à 320, je vais pouvoir la re-remplir. Voilà. Tu es bien urbain. Donc du coup, des dévoueurs. Des dévoueurs. Un comme ça. Et on a encore 200. On peut mettre un petit biotentacule, ouais, pourquoi pas. Un comme ça. Hop là. Bon, on va pouvoir se réparer un peu. Bon, une petite étape préparation. J'ai claqué. On va juste choper. Sur le même tour, on pourra choper à mon avis Sicarus et. Oh oui, allez. Je pense, oui. Et Medrun Guard. Ouais, j'ai claqué tous les points de construction, comme ça on perd pas grand chose quand ils vont le capturer. Mais dans la foulée, on peut se faire l'opération spéciale d'Agrippina si tu veux. Allez. Histoire de redescendre notre niveau d'urgence de 0 à 0. Ouais, je trouve qu'il est un peu élevé aussi. Le grand amiral Spire a fini par lancer un appel aux vaisseaux impériaux dans la zone pour venir défendre la capitale du secteur. Seuls les Blood Angels ont répondu. Les Blood Angels ? Et ouais, bon. Avec le capitaine Donatos Aphael. C'est toujours les mêmes, les Blood Angels. Toujours à aller au devant des emmerdes, puis après ils meurent et ils font « Mais on est tous morts !» Je suis bien déçu. Voilà. Alors. Ceux qui connaissent le lore verront à quoi je fais référence. On a une plus grosse flotte cette fois. Hein. Enfin, plus mais de vaisseaux. Parce qu'on a. Le Spyeuvre est un vaisseau amiral, mais de petite taille. Ouais, d'ailleurs, je sais. C'est très emmerdant parce que du coup, il va disparaître. Il risque de disparaître très vite. Non. Bon. Il va survivre. Hein. On a trois bouffeurs. On a plutôt. On enlève un bouffeur et le spyeuvre et met un... Tu veux qu'on prenne l'éventreur ? Ok. Je pense que ce sera quand même mieux, quoi. Oh, franchement... T'as pas confiance dans le spyeuvre, quoi. Il nous a jamais déçus jusqu'ici. Jusqu'ici. Là. Ah, ce fond d'écran, à chaque fois où t'as le ship Tyranids qui croque un vaisseau tôt, ça donne trop envie de jouer avec les tôt. Je sais pas quel gameplay ils vont leur donner.
Bah ils ont prévu de faire une campagne. Je sais pas, peut-être bien, sûrement. Il y a un gros truc là au centre. Alors. T'as vu le truc au centre? J'ai jamais vu ça. Ouais, j'avoue, ça ressemble à une espèce de. Chantier de réparation. Ou un chantier, ouais, un chantier peut-être. Ouf, c'est peut-être le carrouage de l'espace. C'est la zone carrouage de l'espace, tu sais. Ah bah attends, on attaque la capitale du secteur, hein. Faut qu'elle soit un peu équipée quand même. Faut qu'elle soit propre pour se faire croquer. Ah bah je l'ai pas renommé lui. Oh bah dis donc, il m'a échappé, le petit coquin. Tant pis. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a? On a un champ de sport ou un boulet de démolition et un rôdeur. Tu préfères le boulet, j'imagine? Merci. Ah bah écoute, hein, fallait pas chercher. Je préfère le boulet, j'imagine. Ça va. Je sais que je joue souvent à Karda, mais c'est quand même pas une raison. C'est méchant pour lui. Mais c'est vrai, en plus, tu joues avec un dans de ses vaisseaux. Ouais. Ah non, même dans pas, deux le grillon. Viendra dire, dans deux semaines, il viendra encore dire « Ah, t'es qu'un connard. » Je fais « Un, deux, quoi. » Et j'aurais déjà oublié. Mais comment ça? Mais là, c'est enregistré sur vidéo. Hein, tu... Arda, tu as une preuve. Hein. Bon. J'ai pas peur. Cette fois, on les voit pas sur le bord de la map. Ah bon? Aucun? Bah, non, j'en vois aucun, moi. Je propose de charger vers la base navale, là. Ouais, on va charger vers le carouage. C'est quoi les éruptions solaires? Provoque des ondes d'énergie qui causent des pannes majeures durant le groupe des incendies. C'est à zéro et ne peut plus régénérer. Ouah, c'est chaud! 4 incendies. Et si ils sont sur l'astéroïde, bah ok. Ah, donc voilà pourquoi il y en a beaucoup. Globalement, donc dans 35 secondes, ok, tous dans la nébuleuse. Putain. Toi tu vas là, et toi tu vas ici et ici. Allez, hop. Là et là, c'est tout. Ah ouais, c'est la violence, hein. Bon, ah, cela dit, c'est classe, hein. C'est classe, mais c'est ça pique. Oh, ouais, c'est joli, c'est vrai que je l'avais pas vu, ça fait un peu genre un raz de marée de... Ouais, ça fait gros raz de marée. Bon, attention parce que je bouge plus. Ils sont pas affectés par les nébuleuses. Ce qui est bien, c'est qu'à mon avis, l'IA, comme elle comprend rien à ce machin, elle va juste se faire écraser par la... Ouais, mais je crois que s'ils ont leur bouclier activé, ça fait rien, donc... Ah, mais ça avance tout doucement à travers la map, en fait. Bon, après, on n'est pas pressé, on peut les attendre. Hein. On va attendre qu'ils se fassent écraser. Structure spatiale, ah, voilà. Bloque la ligne de mire de vaisseau. Ouais, c'est les mêmes que les petites merdes, c'est juste une structure spatiale plus classe. C'est ça. Un peu de déception sur 20, quand même. Ouh, les vaisseaux là-bas. Ah, j'ai même pas envoyé un petit champ de sport. Est-ce qu'il va se faire détruire? Ah, bah tu vois, on les voit là-bas. Qui ça, les vaisseaux? Bah au loin. Ah oui, au nord. Exact, ça y est, on les voit. Ouais. Attention, ils vont se faire grignoter maintenant. Et 4 incendies, ça pique quand même. Hein. Ouais, mais je crois que c'est que si le bouclier était pas activé. Hein. Comment ça pas activé? Tu peux désactiver ton bouclier? Non, s'il est. Il s'est fait défoncer quoi. Ce qu'il disait dans le truc, il faut que nos boucliers restent actifs et tout, sinon on mourra dans d'atroces souffrances. Bah, le truc, c'est qu'une éruption solaire met d'office ton bouclier à zéro. Est-ce que la sonde va survivre, tiens? Ouais, c'est exactement la question que je me pose. Ah, elle a l'air, hein. Ah, elle est coriace, hein. Bon, du coup, on peut sortir de là, elle est grignotée de l'humain. Alors, on va les voir normalement. Ah non, c'est vrai, c'est que quand elle explose, merde, raté. On va les granusser de l'humain, hein. On va aller voir un peu ce que ça donne. Bon, bah du coup la sonde a raté malheureusement. Effectivement.
Ça non, ils ont plus de bouclier. Ouais, mais tu vois, ils ont pas d'incendie et tout. Ah, donc quand, si t'as plus de bouclier et que tu te fais choper. C'est si t'as un bouclier que tu te fais choper, il te. Calmez-vous les gars. Il te dé... Ah putain la vache, 5 assauts d'un coup. Ah, c'est bien du bon Blood Angel, ouais. Mmh. Du coup, tu te sens pas un peu trop en sous-nombre là, d'y aller comme ça avec juste deux vaisseaux hein. Jamais. Et là, c'est un gros ici. Lui, on va lui envoyer tout ce qu'on peut d'assaut dans sa tronche. Je vais foncer sur la barge de bataille. Cela dit, on voit qu'on est un peu plus sérieux qu'Abaddon déjà. Direct, il nous balance 3... Il nous balance un cuirassé dans la tronche dès le début. Pas là pour déconner. Il est pas là pour enfiler des perles. Allez, on va aller s'occuper de ce con. Ah, tu peux le lâcher, hein, je pense, hein, le petit. Hein. Il a 17 assauts, hein, ça suffira pour le buter. Hein. Oula, par contre, effectivement, il y en a un qui a pris cher et à mon avis, il va mourir bientôt. Oh, arrête de faire ton débile toi, passe par là. Voilà, il va te mettre devant, sois pas complètement con. On s'arrête. Allez, pivotez et défoncez-moi ce débile. Ah, on a un renfort qui arrive. Oui, j'ai un gros croc qui est décédé. En même temps, c'est celui qui s'est pris tous les assauts sur la tronche. J'en avais pas moins de lui. Ça peut expliquer, effectivement. Ah bah, c'est le Spyuff qui arrive. Tu le veux ou je le prends? C'est pas un dévoreur. Hein. Je vais le prendre. Il y a encore 24 troupes, hein, mine de rien. Non, on va largement le défoncer. Par contre, on s'auto-bloque là, avec nos vaisseaux. Ça va, les tirs restent. Allez, il n'y a plus que deux trucs. Voilà. What? C'est tout? Bah, qu'est-ce qu'ils foutaient dehors les autres là? Et quoi? C'est voilà? Avec et... une seule éruption solaire et tout quoi. D'accord. Ouais, je suis dubitatif là. On a dû faire un truc qui a bloqué un event, je sais pas, mais. Bah, tout ce qu'on a perdu, c'est le croqueur, c'est tout. C'est celui qui. Voilà, on a perdu un. Ouais, mais je sais pas, peut-être qu'on les a tués trop vite ou pas dans le bon ordre. Enfin, attends, il y avait des vaisseaux qui attendaient dehors, quoi. Ouais. Ah, peut-être qu'on a détruit l'amiral, du coup. Ah, ouais, peut-être. Bon, bah, point faible, trop fort. Ça fait mal au fion. Raphael Strike Force Admiral. Then we are too late. Agrippina is lost. And Astartes fleet is massing at Lelita. L'Elita. We shall join them. Cold. Claws skittering. The voice of hunger. No. No. Magnificent Emperor. What? Medici to the bridge. The hive mind permeates these systems. He has been overcome by its presence. Contact the vanguard Eternum. Tell them we've deployed their navigator at once. Désolé, mec. It seems Lelitha will have to fight without us. Ah, on va pas encore le retrouver tout de suite, l'ami. Non, Spire. Ça va être le last. Ah, la génération de biomasse augmente de 15% pendant 2 tours dans le secteur Agrippina. Bon, pourquoi pas. We have received transmission from the sanctified wrath.
They do not expect to reach Relathar before the battle is done. Ha! The Imperial Navy is wise to leave this battle to true warriors! As we would be wise not to rejoice that our numbers are diminished, Admiral Spire is a loyal servant of the Emperor. And now an Archangel speaks of loyalty! These are strange days indeed. Bam! Ali! To waste energy on old quarrels when fresh battle awaits. Et double bam! Allez! Bon, on va aller de. Allez, d'opération spéciale en opération spéciale. Hein. C'est ça. Alors, c'est où ce nouveau truc là? L'Elitar? C'est. L'Elitar, c'est juste au-dessus d'Agrippine. Merde, je suis pas dans la bonne. Je suis pas dans le bon système. C'est là. Il me semblait bien, oui, que je connaissais ce nom, mais je me disais c'est peut-être le dernier qu'on n'a pas pris, mais non, même pas en fait. Alors attends, on va d'abord. Est-ce qu'on peut. Ouais, on peut complètement racheter un vaisseau. Alors on a 251. On peut pas prendre un. Un cuirassé, mais c'est quoi? C'est un bouffeur qui s'est fait. Oui, c'est un. Bah ouais, forcément, en première ligne. Non. Bon, c'est pas ce que je voulais faire. C'est sacrifié pour la cause. Allez, on va en reprendre un. Tac. Ah, je vais tout de suite lui mettre le petit paramètre de bataille, voilà. Et alors c'est où que j'en avais oublié de renommer un? C'est toi que j'ai oublié de renommer? Bon, bah, je te renommerai plus tard du coup. Cela dit, on va arrêter l'épisode là, hein, parce que mine de rien, il y a quand même plutôt bien travaillé dans celui-là. On n'a même pas fait un passage de tour. Ouais. C'est dire. Mais il y avait quelques batailles sympas quand même. Bon, je suis un peu dubitatif sur l'opération d'Agrippina, mais bon, admettons. Je crois que ça va être un enchaînement de beaucoup d'opérations spéciales. Ouais, bah là de toute façon, on s'approche de la fin. Parce qu'on a écrasé le Mechanicus, on a écrasé les Dark Angels, là on a écrasé, enfin pas les Dark Angels, les Blood Angels, puis on va écraser les Dark Angels, les... Les Wolves. Les Wolves et les Corbeaux. Donc à mon avis... Ça s'achemine, je suis d'accord, ça s'achemine. Bon, bah dans tous les cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit message, nous dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très bientôt pour la suite, merci à toutes et à tous. Salut.